Alors, Baruch Hashem, cette semaine, nous avons la magnifique paracha de Vaera. Et dans la paracha de Vaera, nous avons les coups. D'accord? Il y a les coups que reçoit l'Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Maintenant, on doit se poser une question très importante. Quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il donne des coups en Égypte, d'un autre côté, quand les Égyptiens coulent dans l'eau, dans la mer, et le peuple d'Israël voulait faire la fête, puisque leur ennemi est noyé dans l'eau, Akadosh Baruch Hu dit, « Ma'ase adai tovim bayam vatem urim shira » Comment vous osez être heureux, vous réjouir, quand vous voyez mes êtres coulaient dans l'eau. Ils sont tous des enfants d'Hachem. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as fait toute cette guerre? Pourquoi tu as tourné tout ça? Pour qu'à la fin, quand on les voit mourir, nos ennemis, on ne doit pas être heureux. Il est écrit, Shlomo HaMelech, il dit, Bin Paul Oivecha Al Tismach. Quand tu vois tes ennemis tomber, ne sois pas heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux? Quelqu'un est venu me faire du mal, maintenant il est tombé, pourquoi je ne suis pas heureux? C'est un grand secret de quoi? On doit comprendre, et Baruch Hashem ici on étudie beaucoup ça, que le monde est fait créé en sphère. Une sphère, c'est un ballon entier. D'accord? C'est une boule entière. Maintenant, dans notre vie du quotidien, on va vivre notre sphère. La sphère, c'est la protection de vie. C'est comme le petit poussin qui est dans l'œuf. Si on casse l'œuf quand le poussin n'est pas prêt, à quoi ça sert? Quelqu'un va dire, il n'y a pas assez d'oxygène, je vais casser l'œuf pour lui donner l'oxygène. Il est sorti, il est mort. Donc, chacun de nous doit savoir qu'en rentrant dans cette vie, en rentrant dans l'utérus d'une maman, on est rentré dans une poche, il y a la poche du bébé. La poche du bébé, c'est ce qui l'enveloppe. Grâce à la poche du bébé, il reste vivant. Si la poche du bébé, chas v'shalom, c'est percé, l'enfant ne peut pas se développer. La même chose quand on étudie Yoredea, c'est une partie du Shulchan Aruch qui nous explique quand est-ce que les animaux, quand on les égorge, quand est-ce qu'on a des signes qui sont purs ou impurs. Pas purs ou impurs, les animaux purs ou impurs, mais l'animal qu'on a égorgé, est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché? Est-ce qu'il est permis ou pas? Et un des signes, et les organes, tous les organes. Ça commence du cerveau, ça va au poumon, ça va au cœur, ça va au foie, ça va à la rate. S'ils sont percés, il y a une question. On se pose une question, est-ce que c'est caché ou pas caché? Maintenant, les sages disent, quel problème? Le poumon a été percé, mais maintenant, il y a un liquide dans notre corps qui ferme le trou. Qu'est-ce qu'il y a de problème? Non. Si cet animal-là, en vivant, il a été percé, ça veut dire qu'il a eu un flux d'énergie qui est sorti, cet animal n'est plus cachère. Nous aussi, dans notre vie, c'est exactement la même chose. Quand les gens veulent se débarrasser de leurs problèmes, des fois, chas v'shalom, ils emmènent la fin de leur vie. Une personne, il a des problèmes. Vous savez qu'il y a des gens, malheureusement, qui perdent leur vie. Ils disent, je ne veux plus vivre. Ils veulent se débarrasser des problèmes. Est-ce qu'ils se sont débarrassés des problèmes? Non. Le problème est resté. Pourquoi? Parce que le corps, ce corps-là, n'est pas là, mais le corps prochain est là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et si une âme, malheureusement, ne se retrouve même pas dans un corps, c'est encore plus une souffrance. Le Zohar Kadosh dit qu'il y a des âmes qui n'ont pas de corps. On sait qu'il y a des âmes qui sont sorties d'un corps. Ils méritent ni le monde prochain, ni le tribunal, ni un corps. Donc qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils se promènent dans le monde. Les gens qui étaient au Maroc, les gens qui étaient au Yémen, là-bas ils parlaient avec les démons, avec les âmes, ils parlaient en direct que nous on se parle. Même les enfants, j'ai eu des élèves très âgés de Kabbalah, ils m'ont dit, ils étaient sur les pluies, on jouait avec eux. Au Maroc. C'était
une vie comme ça, ils vivaient avec les entités. Mais nous, on n'a pas l'habitude. Donc, l'ennemi de l'être, c'est une partie de sa sphère. Maintenant, la question est-ce que je dois faire la guerre avec mes ennemis, avec mes défauts, avec mes problèmes, avec ma santé, avec l'argent, avec ma femme, qui sont tous une partie de moi? D'accord? Ou bien, je dois adoucir notre vie. Vous comprenez la différence? Est-ce que je dois accepter et adoucir, ou bien je dois faire la guerre? Les sages de l'Égypte ont dit, dans cette paracha, dans le dernier coup, ils ont dit à Pharaon, est-ce que tu ne fais pas attention que l'Égypte, bientôt, n'existera plus? Od me'at kol mitzrayim ovedet, il n'y aura plus, l'Égypte ne va plus exister. Envoie-les. Et Pharaon, il ne pouvait pas. Quel était le problème de Pharaon? Que Dieu a endurci son corps. C'est la volonté d'Hachem, c'est pas... C'est difficile à comprendre. Ça veut dire que nous avons une certaine réalité avec l'Égypte. Vous savez que l'Égypte, ça commence d'Abraham Avinu. Abraham est descendu avec Sarah. Après, Yitzhak voulait descendre en Égypte. Akadosh lui a dit non, tu n'as pas le droit de descendre. Après, Yaakov, Yosef est descendu. Après, Yaakov est descendu. Après ça, nous avons tout le peuple d'Israël qui vit avec l'Égypte, esclave. Et maintenant, on a la délivrance du peuple d'Israël qui sortent de la sphère qui s'appelle l'Égypte. Pourquoi l'Égypte et Israël sont un? Et Abraham Avinu, pourquoi c'est un? Abraham Avinu est né en Babylone. Eux, Yaakov, il est né où? Il est né à Hébron. Et le peuple d'Israël est né en Égypte. Donc nous avons Babylone, Jérusalem, Hébron et l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Les sages nous disent dans la Kabbalah que Babylone, c'est le cerveau du monde, la tête. La terre d'Israël, c'est le cœur. Et l'Égypte, c'est l'intimité. Donc nous avons une sphère entière. Une des preuves est que quand on fait la bracha pour la pluie, on attend entre Simchat Torah, on attend 14 jours. Pourquoi? Pourquoi ils ont mesuré seulement 14 jours? Le temps qui prend à marcher à pied de Jérusalem à Babylone. Et pourquoi encore une fois à Babylone? C'est la mesure. Pourquoi tu ne mesures pas marcher à pied en France? Marcher à pied, je ne sais pas moi, au Maroc. Ils sont tous reliés en terre. On peut marcher. Non, Babylone. Pourquoi? Tout le temps, il y a une relation entre Babylone, Jérusalem et l'Égypte. Ça entier, c'est une sphère. Tout ça, c'est une sphère. Maintenant, quand le peuple d'Israël, qui est tombé encore plus bas que l'intimité, il est tombé au pied du monde, ce peuple-là, maintenant, doit commencer à grimper. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une femme qui doit accoucher. La femme, elle accouche par intimité. Donc, elle doit accoucher à une nouvelle sphère. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? 49 jours de la sortie d'Égypte jusqu'à quand qu'ils ont reçu la Torah? Où ils ont reçu? Dans le Mont Sinaï qui est entre l'endroit du temple qui est Jérusalem et l'intimité qui est Égypte. Au milieu, ils ont reçu la Torah. Pourquoi? Pour former une nouvelle nation. C'est quoi une nouvelle nation? C'est un nouvel enfant. Ça veut dire que les enfants d'Israël, quand ils ont vu Égypte se noyer dans l'eau, c'est une image, hein, ce que je vous dis. Quand ils ont vu Égypte se noyer dans l'eau, c'est comme un enfant, il est écrit, qui devient l'ennemi de sa mère. Pourquoi? Parce que quand il sort, lui, ils sont fous. Et il y a une halakha, endochim tachem ipnachem. Si un enfant, dans le ventre de la maman, il met en danger la mère, qu'est-ce qu'on prend comme décision? On tue l'enfant, on laisse la mère en vivant. Pourquoi? On n'a pas le droit de changer une vie en vie. Mais lui, l'enfant, quand il sort, il s'en fout. Il sort. Est-ce qu'il a le droit de rire? Est-ce qu'il a le droit d'être content que la mère a souffert? Non. La même chose ici. En effet, le peuple d'Israël était dans l'intimité.
il était en Égypte, il est descendu dans l'endroit le plus bas, et maintenant quand il va remonter, il doit remercier l'Égypte, puisqu'il est sorti avec l'or, avec l'argent, avec le chameau, avec les habits, avec les tissus. Ils sont sortis avec beaucoup de choses. Ah, pourquoi maintenant tu... Tu peux pas jouir ça. Ron ? Ouais. Donc, nous avons ici un enseignement de la Torah, du comportement, du remerciement. On est obligé d'être tous les jours, tout le temps, en remerciement de notre sphère. Et on sait bien que dans les techniques de conscience, on sait qu'une des techniques d'adoucir la sphère dans laquelle on vit, c'est de remercier ce qu'on a. Il y a un sage qui s'appelle le Malbim, et qui dit toujours, je vous dis ça, qu'il dit, quand est-ce qu'on reconnaît un des caractères qu'il faut travailler dessus? Quand le serpent sort du corps. Quand le serpent se dévoile, ça s'appelle le serpent, c'est qu'il le... Quand le mauvais penchant se dévoile, alors je dois l'attraper et commencer à travailler mon mauvais penchant. Mais quand il ne se dévoile pas, je ne sais pas qu'il est là. Donc il existe en moi, bombe à retardement, mais je ne sais pas qu'il existe. Quand est-ce que je dois travailler? Quand je sais qu'il existe. C'est la même chose. Quand on rencontre dans notre vie un obstacle, ou bien on doit passer un moment qui n'est pas facile, on doit savoir que ce moment-là est venu nous enseigner quelque chose. On doit changer la perception du moment difficile. Pourquoi il est là? Et d'habitude, quand les gens, on les attaque, tout de suite ils rentrent en mode de guerre. Pourquoi je rentre en mode de guerre? Peut-être celui qui m'attaque, qui ne m'attaque pas vraiment. Peut-être seulement j'ai la perception qui m'attaque. Peut-être ce qu'il va faire, ça va être pour le bien. C'est pas peut-être, parce que tout ce que je fais à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Donc, pourquoi moi, je commence à me comporter comme si que je suis dans une guerre? Et quand on se comporte en mode de guerre, on est en guerre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, et il dit aussi à Moshe Rabbeinu, ils disent, quand quelqu'un, son cœur est endurci, et vous voyez que on appelle Pharaon le cœur, ça veut dire Jérusalem, et on appelle le peuple d'Israël, les esclaves, c'est plus bas que l'intimité, c'est les pieds. Alors comment lui, Pharaon, il a pris la place du cœur? C'est une question ça. Pourquoi? Parce que Moshe et Pharaon, c'était la même âme. Dans toutes les générations, le bien et le mal se rencontrent. Le summum du bien va rencontrer le summum du mal. Et maintenant, on se pose une question... Le Noam Elimelech déjà il pose la question, il dit, quand est-ce que le tzaddik rencontre le racha, qui doit remercier qui? Déjà on ne parle pas de guerre, et on ne parle pas de confrontation, mais on parle de quoi? De remerciement. Maintenant on va poser la question, qui protège qui? Toujours l'obscurité enveloppe la lumière. Je vous ai montré la semaine dernière. Hein? Toujours l'obscurité enveloppe la lumière, toujours. Pourquoi? Pour la protéger. Donc, quand le mal rencontre le bien, qui doit remercier qui? Le bien doit remercier le mal ou le mal doit remercier le bien? Le bien doit remercier. La vérité est que le bien doit remercier le mal qui l'a enveloppé et qui l'a protégé. Mais tu dis, comment il me protège, il me fait du mal? Parce que tu ne sais pas que si tu serais sorti de cet œuf, qu'est-ce qui t'attend dehors? La preuve, c'est que quand on perce une sphère, ce qui vit dans la sphère meurt. Maintenant, c'est une compréhension. La deuxième est que ce que moi, je pense qui est le mal, c'est parce que moi, je me cogne à ma limite. Comme une sphère, c'est un ballon plein. Ça veut dire que quand j'ai rencontré le mal, ça veut dire que ma direction de vie est vers quoi? Je cogne ma sphère. Et quand je cogne la sphère, elle me fait du mal. Mais si je vivrais au milieu de la sphère, est-ce que j'aurais mal? Non. C'est la même sphère. C'est comme les gens, si quelqu'un veut... On m'a raconté une histoire qu'un monsieur a dit à un autre, ils étaient dans l'avion. Alors il lui a dit, regarde comme c'est beau les nuages. Vous savez, l'avion il est au-delà du nuage. Il a dit, imagine-toi qu'on aurait pu, en bref, mais imagine-toi un jour on aurait pu
prendre l'avion, se poser sur le nuage, descendre de l'avion et balader sur le nuage. C'est tellement beau. Il dit, tu es fou, tu es retombé. Il dit, pourquoi? Peut-être un jour, ça sera possible. Mais si on sort de l'atmosphère et on veut sortir comme ça, sans sphère autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont les cosmonautes? Ils ont une sphère aussi. Si on sort sans sphère, en dehors de l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir, il n'y a pas d'oxygène là-bas. Non? Il n'y a pas d'oxygène, il y a la chaleur du soleil, on ne peut pas vivre là-bas. Donc, on doit comprendre que la sphère qui nous entoure, elle est là pour nous. Et quand on la voit ou on la sent, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne direction. Il faut se remettre en question et changer de direction. Il y a beaucoup de gens dans le monde moderne qui disent aux autres, tu dois casser le plafond en verre que tu as au-dessus de ta tête. Tu dois aller au-delà de tes forces. Tu dois aller au-delà de tes capacités. Quel est le problème? Les gens s'engagent à des choses qui sont au-delà d'eux. Ils ont percé la sphère. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à la personne? Elle ne peut pas résister. C'est au-delà de ses forces. D'accord? Et elle commence à se dégrader. Et les gens se disent, pourquoi? J'y arrive pas. Peut-être tu n'es pas dans ta sphère. Peut-être tu as percé ta sphère. Et c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Ils sont en train de sortir la délivrance d'Égypte. Et c'est un peuple qui va sortir de sa coquille. C'est un peuple qui va sortir de sa sphère. Et sachez que tout le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte est mort dans le désert. Tous. Plus que ça, je vais vous dire, quand ils vont sortir la semaine prochaine d'Égypte, 20% sont sortis. Et le Zohar Kadosh dit 2% sont sortis. Et les autres, 80% ou 98%, ils sont morts en Égypte. Donc en effet, si on regarde, vous savez, de loin, en perspective, ce qui s'est passé, c'est que tous les esclaves qui étaient en Égypte sont tous morts. Sauf deux, Caleb et Yoshua, c'est les seuls qui sont rentrés en terre d'Israël. Pourquoi? Si tu nous as fait sortir de la terre d'Égypte pour entrer en terre d'Israël, pourquoi on ne rentre pas? C'est que la nouvelle génération qui est rentrée. C'est une question, Laurent. La réponse est très simple. La réponse est que chacun de nous, même qu'on a des enfants, on grandit avec eux. C'est pas que eux, nous on arrête de grandir et eux grandissent. On grandit avec eux. Un jour, on a un décalage. Et on se dit pourquoi? Il y a seulement 20 ans, j'avais 20 ans. Alors pourquoi maintenant je ne comprends pas la personne de 20 ans? C'est une question, Laurent. Éternelle. Toutes les générations. La réponse est très très simple. Chaque génération est née dans une sphère. L'enfant qui va naître a percé la sphère de la père, du père et la mère. Il a percé la sphère, il est sorti, il va faire quoi? Au début, il va vivre à côté de la sphère et après, il va se lier à sa femme, il va recréer une sphère. Après la sphère qu'il va recréer, qu'est-ce qui va se passer? Un enfant va percer et encore une sphère. Un enfant va percer, encore une sphère, une sphère, une sphère. Cette sagesse de sphère, c'est une sagesse très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font la baby blues. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi baby blues? C'est quand l'enfant perce la sphère et il sort. Des fois, il y a eu des moments qu'il y a eu un vide. Et dans le vide rentre le mal. Les ondes négatives rentrent. En Tunisie, ça s'appelait le genou. Il faisait danser la femme jusqu'à quand qu'elle tombait et le genou sortait d'elle. Ça veut dire que quand une sphère se perce, on a Chas v'Shalom, le danger que les entités négatives peuvent rentrer dans notre sphère. C'est pour ça que quand on étudie la science de l'âme, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de casser les choses, on n'a pas le droit de déchirer les habits. Pourquoi on n'a pas le droit de faire tout ça? Parce que chaque fois qu'on fait ça, on ouvre la sphère et hop, les entités pénètrent. Et quand ils pénètrent, après maintenant, on commence à souffrir. Pourquoi? On doit vivre dans une sphère qui devait contenir deux personnes. On est 10.
C'est difficile de vivre beaucoup de personnes dans une maison. Commence quoi? La tension, le stress, les cris, la perception qu'on n'a pas de place, que tout le monde ne touche, qu'on n'a pas de privacy. Tout ça, c'est parce qu'il y a encore des forces qui sont entrées dans la maison. Il y a une histoire d'un Admon, qu'un de ses élèves est venu. Et il lui dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus, on est serré à la maison, j'ai une chambre, et on est moi, ma femme et 4 enfants. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu veux vraiment bien vivre? Il a dit, oui. Il dit, tu as des chèvres? Il a dit, oui. Fais rentrer une chèvre à la maison. Maintenant, lui, il était simple. Il a dit, le rabbi, fais rentrer la chèvre. Il fait rentrer la chèvre. Donc, la chèvre, elle vit avec eux. Après 2 semaines, waouh, ils n'en peuvent plus. Les trucs de la chèvre, ça fait des odeurs. Il nettoie toute la chèvre. Elle mange tout, la chèvre. Elle mange tout. Il vient après 2 semaines, il dit au rabbi, ah, j'en peux plus. Moi, ma femme, 4 enfants, une chèvre, on n'a pas de place, il y a des odeurs. Il dit, tu as des chèvres à la maison? Il lui dit, oui. Non. Fais rentrer encore une. Et qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, eh bien, tu vas revoir, tu vas avoir de la place. C'est comment de la place? Top, il est parti à la maison, sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il a dit le rabbi? Il lui dit, fais rentrer encore une chèvre. Elle fait rentrer la deuxième. Comme ça, une autre, et une autre. Bon, après ça, 2 mois après, il revient chez le tzaddik, il lui dit, Rav, on n'en peut plus, 6 chèvres à la maison, on ne peut même plus marcher, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, tu sais ce que tu fais? Fais sortir les chèvres. Tu vois quoi? Je lui fais sortir toutes les chèvres, 6 à la fois. Et quoi? Tu restes toi, ta femme et 4 enfants. Ah, il est venu après une semaine. Oh Rabbi, quel sadique tu es! Ma femme, elle n'en peut plus! Elle t'a envoyé un gâteau! Merci de nous avoir délivré! De quoi? Des chèvres, il y a de la place! Enfin, on s'est retrouvés! Tout le monde rigole. Mais quel est le problème, vous savez? On est inconscient de notre sphère dans laquelle on vit. Comment on enlève les chèvres? Je vais vous dire comment on enlève les chèvres. Quand on se contente de la sphère dans laquelle on est, et c'est pour ça que Shlomo HaMelech il a dit, Ezo Ashir à sa mère Bechelko, qui est l'homme riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et le plus important, il faut mettre l'amour, Ardout. Il faut mettre l'union dans la maison. Pourquoi on a besoin d'union? Parce que quand on a l'union, les entités ne rentrent pas. Mais quand il y a les cris, les bagarres, les bêtises, les entités, elles rentrent. Et eux, c'est des chèvres. Quand ils rentrent, ils prennent la place. Vous savez, dans le Talmud, Masechet Brachot, il y a, je crois, 6 pages qui parlent des entités, comment elles sont, elles prennent la place, elles frottent les habits, elles sont à côté du... Plein d'histoires comme ça, des entités. Et les sages disent, on vit avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous dire quelque chose qui va encore plus vous renforcer de comprendre pourquoi on est une sphère entière. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le cœur depuis la naissance d'une personne jusqu'à l'âge de 13 ans? Il y a seulement le Yetzer Hara. Il y a un démon. À 13 ans ou à 12 ans pour les femmes, le bon penchant vient. Donc, le mauvais penchant, c'est lui qui a créé la sphère. Vous savez que le mauvais penchant, c'est lui qui nous gonfle. C'est lui qui nous donne la forme. C'est nous, celui qui nous fait grandir. Normalement, à 13 ans, 14 ans, on doit avoir notre forme presque finale. Et maintenant, rentre le bon penchant. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Il y avait le peuple d'Israël esclave. Ils étaient envoûtés par une sphère qui s'appelle Domé, la ressemblance. Ils étaient tous contents. Tout d'un coup, arrive quelqu'un. Mon cher Abenon, il leur dit, écoutez, maintenant on va percer la sphère. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé au début? Mon cher Rabbeinu nous dit à Kadosh Baruch Hu, depuis que tu m'as fait rentrer en Égypte, lama ereot al amaze, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il a été puni pour ça. Moi, le créateur du monde, tu me dis que je fais du mal à mon peuple, à mes enfants, à moi? Non, je ne fais pas du mal. Mais tu vois que depuis, quelle était la perception du mal? C'est que Moshe Rabbeinu est venu à l'extérieur d'Égypte. Il a percé la sphère. Et maintenant, il est rentré. C'est sûr
qu'il a désestabilisé le calme qu'il y avait dans la sphère. Le peuple d'Israël était calme. C'est vrai qu'ils étaient esclaves, mais ils ont pris l'habitude. 210 ans d'esclavage. Tu nais esclave, ton grand-père esclave, ton arrière-grand-père esclave, arrière-arrière-grand-père esclave. C'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont l'habitude, ils naissent avec le fouet. Et on voit que quand Moshe Rabbeinu a percé la sphère, maintenant, il y a eu un mouvement. Le mouvement en est, pas encore, la semaine prochaine, il y aura la délivrance. Mais déjà, on voit que le pharaon, que lui est le cœur, comme il dit, j'ai ichbadeti, vous savez, kaved, ichbadeti, c'est kaved. Kaved, en hébreu, c'est ou l'eau, ou le foie. Alors encore une fois, on a la rencontre du foie, du cœur et du cerveau, Moshe Rabbeinu, et de la bouche, Aaron. Donc encore une fois, il y a une sphère qui essaie de se créer dans une sphère. Nous avons en effet la naissance d'un nouveau peuple. C'est comme la naissance d'un nouveau bébé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a la délivrance d'un bébé, le bébé n'a pas le droit de dire qu'il est content que la mère, Chas v'Shalom, est sans dommage. Il n'a pas le droit de faire ça. Alors, on voit que dans cette paracha, on a un grand, grand secret de sphère. Et nous tous, nous avons la sphère intérieure, qui est notre corps physique, et nous avons la sphère extérieure. D'accord ? Maintenant, la sphère extérieure est quoi ? Elle est composée de quoi ? Dans les cours de thérapie lumière, j'explique, elle est composée de quoi ? D'oxygène. Pourquoi ? Parce que quand l'oxygène rentre dans mon corps, il me fait vivre la sphère, d'accord ? Très très bien. Quand il sort, qu'est-ce qui sort ? Gaz carbonique. CO2. Ça veut dire O2 rentre, O2 sort. Mais qu'est-ce qui prend avec lui ? Le carbone. Maintenant, comme l'oxygène et le carbone, un c'est du gaz et un c'est un minéral, quand ils vont sortir de mon corps, ils vont obligatoirement se défaire. Ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes poids. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe avec l'oxygène quand il se refroidit? Il s'éloigne de 37 degrés et commence à se refroidir. Qu'est-ce qui va se passer avec? De l'eau. D'accord ? Après l'eau, se refroidit l'eau. Sur les minéraux. D'accord ? Oui. De la glace, du minéraux. Qu'est-ce que c'est un minéraux? C'est de la pierre. Oui, et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une barrière. Ça crée une sphère. Ça crée une sphère. Vous savez c'est quoi l'atmosphère? C'est quoi l'atmosphère? C'est de l'air. C'est de l'azote. C'est de l'air à moins 274 degrés. Et c'est pour ça que pour nous c'est un mur. Mais en vrai c'est du gaz. Sauf que c'est du gaz gelé. C'est pour ça qu'on a l'atmosphère qui protège la Terre. C'est pour ça que nous-mêmes, on se crée tout le temps à la naissance. On crie « Ah !» Qu'est-ce qui se passe? Les poumons commencent à fonctionner. Tout ce qui était fermé s'ouvre, tout ce qui était ouvert se ferme. Et maintenant, on est en train de consommer quoi? L'oxygène. Si je consomme l'oxygène, je crée une sphère. Cette sphère-là, il faut faire attention qu'elle ne soit pas percée. Qu'est-ce qui perce les sphères? Le mauvais caractère. Conduite, mauvaise conduite. Si quelqu'un ne se comporte pas comme il faut, ça veut dire qu'il s'énerve, il a la haine. Il insulte, il maudit, il fait de la sorcellerie, de la haïnara, de la shonara, tout ce qui est le côté négatif, la personne, elle perce la sphère. Et il faut savoir que d'après la science de l'âme, on étudie dans Zohar Kadosh, dans l'Ari Kadosh, que autour de la sphère de l'être, existe la sphère de quoi? Des entités. Pourquoi? Parce que l'être est la lumière, les entités sont l'obscurité. Donc toute lumière est enveloppée d'obscurité. Est-ce que l'obscurité est bonne ou mauvaise? Elle est bonne seulement quand on ne se mélange pas. Dès qu'on se mélange, c'est pas bon. Quand je parle avec vous, j'ai reçu une belle idée. Vous savez quand est-ce qu'on a mal au ventre? On a des trous dans le ventre? Quand est-ce qu'on a mal? Quand on a un ulcère. C'est quoi un ulcère? La sphère de l'estomac a été percée. Et maintenant, le liquide
de l'estomac, qui est très, 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 très acide, il sort dans quoi? Dans le corps. Pourquoi j'ai mal? C'est mon corps. Il n'est pas encore sorti dehors. Parce qu'il est sorti de sa sphère. Sa sphère est adaptée à son acidité. Mais l'autre sphère n'est pas adaptée à l'acidité. Exactement la même chose, on peut expliquer avec l'obscurité et la lumière. Nous, on est adapté à la vie dans l'atmosphère. C'est pour ça que quand ils veulent dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans d'autres planètes, c'est très joli à dire, mais ce sont de la philosophie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Pourquoi? Parce que notre planète est entourée d'une atmosphère. Les autres planètes, on n'a pas encore vu qu'ils sont entourés d'une atmosphère. C'est pour ça que seulement dans la sphère, il y a une présence de vie. Mais si on perce, imaginez-vous, Kras v'Shalom, l'atmosphère se perce, mais pas petit, un grand trou. Qu'est-ce qui va se passer sur Terre, vous savez? Vous avez vu dans l'endroit en Australie où il y a eu le trou de l'ozone, il y avait le problème de l'ozone. On n'en parle plus, vous avez vu, on dirait que l'ozone est le truc. C'est n'importe quoi, mais ça fait rien. Là-bas, hein, le soleil, quand il a pénétré dans un endroit de mer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au sable? Tout est devenu du vert. Imaginez-vous combien de température il y a là-bas quand l'atmosphère n'est pas à sa épaisseur pour nous protéger. Ça a brûlé la mer, le sable. Donc, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, nous a mis chacun dans sa sphère. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'être jaloux. La jalousie perce la sphère et nous fait passer, nous, dans notre idée, à une autre sphère. Ça veut dire qu'on a percé la nôtre, donc on est en danger, et on a percé l'autre de l'autre, et lui aussi il est rentré en danger. C'est pour ça que dans la vie, le meilleur des caractères, être humble. C'est quoi être humble? Se contenter. C'est pas la peine de montrer, de faire trop du vent. C'est pas la peine, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin que quelqu'un te regarde à mauvais œil, de parler de mal du... On est simple. Même les gens qui sont très très riches, ils peuvent vivre dans la simplicité. Ils ont une belle maison, mais dans la belle maison, on peut avoir une maison qui devient un musée, et on peut avoir une maison, c'est grand. Mais il ne faut pas trop exagérer non plus. Il faut être modeste. C'est ça, modestie. Il faut être modeste. Et quand on est modeste, Baruch Hashem, personne cherche notre sphère. Et si personne cherche notre sphère, elle n'est pas percée et on n'est pas très fin. Vous savez, c'est quoi tréfa? Je vous ai dit au début du cours. C'est quand l'animal est interdit à manger. Taref. Le taref, c'est quand il y a une sphère percée. Je leur ai dit au début du cours, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la rate, quand ils sont percés, on n'a pas le droit de manger tout l'animal. Nous, la même chose. Quand Chas v'Shalom, quelqu'un a percé notre sphère, maintenant, nous, on devient taref. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils ne veulent plus parler avec nous, ils s'énervent avec nous, les contrats qu'on a s'annulent, le shambait s'en va. Tout d'un coup, la femme, elle part de la maison. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? La sphère s'est percée. Comment, a posé la question madame tout à l'heure, comment on peut refermer la sphère? On veut maintenant faire tchouba, on veut refermer les choses. Vous savez que maintenant on est chauvavim. Et un des problèmes de Shovavim, un des plus grands problèmes de Shovavim, c'est quoi? Que la personne, femme ou homme, on fait sortir le liquide du cerveau, pas dans la sphère qu'il faut. Comme un homme et une femme, quand ils sont ensemble, ça devient un. Maintenant, les Shovavim, c'est quand ils n'étaient pas avec, ils étaient tout seuls. Donc, ils font sortir le liquide de vie ou dans l'atmosphère. Donc, ils ont percé la sphère. Ils ont permis aux entités d'habiter avec lui. Maintenant, quand les entités habitent avec lui, c'est comme l'acidité dans le corps. Quand on a eu un vaisseau de sang qui se perce, c'est des AVC, c'est quoi? Un petit tuyau de sang, paf, il a explosé. Et alors? Un peu de sang. Le sang qui est dans le tuyau n'est pas dans l'acidité du cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des dommages là-bas. On peut arriver à être paralysé, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution?
La solution est être tout le temps en amour et harmonie. C'est la solution. Tout le temps, chercher l'amour et l'harmonie. Aujourd'hui, une dame est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, moi et mon mari, on s'aime beaucoup. Et alors, il est nerveux un peu. J'ai dit, ah. Elle m'a dit, mais de l'autre côté, il est très gentil. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous faites quand il est nerveux? Je lui donne à boire. Je lui ai dit, tu veux que je sorte de la maison? Comme ça. Je lui ai dit, c'est pas la peine, t'énerve pas avec nous. T'es nerveux, tu veux aller jouer, tu veux aller courir, tu veux aller faire du sport. Attends, tout va bien. Une autre femme, elle peut dire, qu'est-ce que c'est, il est nerveux avec moi? Et à la fin, divorce. C'est mieux le divorce? Non. C'est pour ça qu'elle, elle est sage, parce qu'elle a compris que dans une sphère entière, il y a l'harmonie de tout. Il y a toutes les polarités. Le Sefer Yetzirah explique qu'il y a le haut, le bas, l'avant, l'arrière, à droite, à gauche. Donc, tu es dans toutes les polarités. Tu dois circuler dans tout. L'endroit le mieux de vivre dans une sphère, c'est comme la Terre. Le centre. Comme la Terre dans le centre. Comme la Terre dans l'atmosphère. Elle est au centre. Vivre dans le centre, c'est vivre le mieux. Pourquoi ? Ni on colle l'atmosphère et que Dieu nous en préserve, on peut percer, on devient taref. Ni on est dans l'air, on ne sait pas où on va, où on est. Mets-toi sur la terre. Ceux qui étudient bien la Torah savent que l'essentiel de la Torah, c'est quoi ? C'est de faire les mitzvot. L'essentiel de les mitzvot, vous savez c'est quoi ? Utiliser la matière. L'essentiel des mitzvot, c'est utiliser la matière de façon propre. La relever, non ? Oui, mais c'est quoi relever la matière ? Utiliser la matière, l'approprier à nous, et de toute manière, elle monte, puisque là, elle monte. Mais si je n'utilise pas la matière comme il faut, alors le roi Salomon a dit, si tu es venu dans ce monde, au moins, ne fais pas de dégâts. Tu ne veux pas profiter, tu as le droit. Mais pourquoi tu fais des dégâts ? Pourquoi les hommes font tellement de dégâts sur Terre ? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une atmosphère. C'est une chose. Et si j'ai dans mon atmosphère des problèmes, il faut les problèmes, il faut les enlacer. Il faut les aimer. Il faut les approcher. Pourquoi ? S'ils sont loin, tu souffres. S'ils vont être proches, peut-être tu ne les verras plus. On dit en hébreu, Tselahar yoter minahar. L'ombre de la montagne fait plus peur que la montagne même. Tu vois un ombre, tu dis, oh, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va vers la montagne. Ça prend 2, 3, 4 jours, 10 jours. À la fin, tu vas arriver. Alors, l'essentiel du cours aujourd'hui, la synthèse du cours est qu'on soit réceptif à tout ce qui existe dans notre sphère. Et même si je veux jeter quelque chose de mon atmosphère qui ne me plaît pas, elle va renaître. Alors au moins, quand je connais mes problèmes, je peux vivre avec. Mais quand je ne connais pas mes problèmes, c'est plus dangereux, non ? Oui, alors on doit être content, se contenter de tout ce qui existe autour de nous. Le bien et le mal. Quelqu'un il m'a dit, tu sais ma belle-mère, je ne peux pas la supporter. J'ai dit, mon fils, c'est ta belle-mère. Il ne peut pas la supporter. J'ai dit, mais c'est ta belle-mère. Quoi, elle est seulement méchante? Il n'y a rien de bien en elle. Il me dit, la vérité, dernièrement, elle fait des efforts pour moi. Je lui dis, ah, mais je ne peux pas supporter. Je lui dis, tu ne comprends pas. Chaque fois que tu vas la percer, ta femme, elle va pleurer. Non, il me dit, oui. Je lui dis, hey, tu vas aimer ta femme pleurer? Non. Ta belle-mère, c'est ta belle-mère. Tu as choisi ta femme avec ta belle-mère. C'est tout. Global. Quand je me suis marié, vous savez, toujours quand on se marie, il y a les bonnes langues qui parlent des bonnes choses. Alors les gens me disent, hey, hey. Je leur dis, oui, mais sa maman, je suis fou amoureux. Si elle vieillit, elle soit comme elle, je suis très content. Je dis, dis-moi, ça va ta tête, toi? Je dis, regardez, la maman, la fille, comment elle va grandir? Elle va grandir comme la maman, non? Donc la belle-mère, il faut l'aimer. Sinon, comment tu vas aimer ta femme à 60 ans? Ben oui. Ron, va. Elle va lui ressembler, c'est la vie. Ouais, c'est on ressemble à nos parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma mère, elle me disait, toi, t'es intelligent. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'on va?
On va détester les gens qu'on est accroché à eux. Et à la fin, nos enfants, ils deviennent comme nous. Alors, comment on peut les détester? Vous savez, des couples, un il est indigo et un il est normal. C'est le meilleur des couples. Le cartésien et le imaginaire. Et donc, quand ils se rencontrent, c'est comme ça. Maintenant, la femme, elle a fait naître un indigo. Disons que la femme est cartésienne et l'homme est indigo, elle a fait naître un indigo. Maintenant, elle ne supporte pas l'indigo. Allô? Tu aimes ton mari? Oui. Alors, comment tu n'aimes pas son fruit? Ah, lui, je le supporte. Mais lui, je ne peux pas le supporter. La vérité est que tu ne supportes pas ton mari non plus. Rends-nous le mari avec l'enfant. On doit aimer les enfants qu'on a mis au monde. Pourquoi? C'est une partie de nous. C'est notre sphère plus développée. Ils vont grandir, ils vont devenir une sphère eux-mêmes. Et on veut quoi? On veut la continuation des générations. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que Baruch Hashem, mes frères indigo et mes frères cartésiens comprennent que seulement ensemble forme une sphère entière. Et quand la sphère est en entier, on peut profiter du monde. C'est ça le but. Aujourd'hui, on étudie la science de l'âme. Vous savez, cheminement, à la fin, on arrive à un mot. Ça s'appelle plaisir. Il y a désir et il y a plaisir. Le désir, il est imposé. Maintenant, est-ce que tu en fais un enfer ou tu en fais un paradis? Quand c'est un plaisir, c'est le paradis. Quand c'est critiqué, mal, ça devient un enfer. Hein? Bichvillement. D'accord? Baruch Adonai l'Olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.